Ce samedi 13 mai, les téléspectateurs découvrent le dernier prime des Cross Battles de la nouvelle saison de The Voice. Il ne reste plus beaucoup de talents à passer, et l'étau se resserre. Big Flo a alors fait une belle déclaration à son talent Noshka, qui tient une certaine place dans son cœur. Une belle déclaration. Ce samedi 13 mai, les téléspectateurs découvrent le dernier prime des Cross Battles de la nouvelle saison de The Voice. Il ne reste maintenant plus beaucoup de talents à passer dans les équipes de Zazie, Big Flo et Oli, Vianney et Amel Bent qui choisissent minutieusement depuis le début de la soirée quel chanteur envoyer lors des derniers face-à-face. Pour le moment, Los Maluno et Clem se sont affrontés, menant à la victoire de la jeune femme, puis Kiona et Zoé ont également chanté à leur tour, et le public a décidé de sauver la Benjamin de la saison. Et c'est maintenant au tour d'Ivan P de l'équipe de Zazie et de Noshka, de l'équipe de Big Flo et Oli, de performer pour essayer de se qualifier pour les Super Cross Battles qui auront lieu la semaine prochaine. The Voice 2023, Noshka craint de ne pas être à la hauteur. Zazie a défié Big Flo et Oli avec Ivan P, un talent qu'elle apprécie particulièrement. Les frères toulousains ont de leur côté décidé d'envoyer Noshka, un talent qu'ils aiment également énormément. Il s'agit ainsi d'une cross battle délicate puisqu'une grande voix s'apprête à quitter définitivement l'aventure. C'est ma dernière là. C'est mon dernier passage. Je vais en profiter, a déclaré Noshka à ses coachs les larmes aux yeux en se préparant pour son passage. Big Flo et Oli l'ont alors tout de suite réconforté à propos de ses chances de réussir. Je ne voulais vraiment pas tomber contre quelqu'un qui a une grosse voix, un coffre comme ça, parce que moi, à côté, avec ma petite voix et mon petit corps, j'ai l'impression que je ne fais pas le poids, a déclaré Noshka en interview pour justifier ses craintes. Du côté de Zazie, l'ambiance était beaucoup plus décontractée et sereine. Big Flo fait une sublime déclaration à Noshka, son talent dans The Voice Ivan P a alors ouvert les hostilités en interprétant Casser la voix de Patrick Bruel, une très jolie reprise. Puis, Noshka est montée à son tour sur scène pour chanter le titre Un homme heureux de William Scheller pour lequel elle a préparé quelques arrangements. Et juste avant le début de la chanson, Big Flo a confié à son frère, Noshka, c'est ma chouchoute. Il ne faut pas qu'elle sorte. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisqu'il a réitéré ses propos à la fin de sa performance devant le public. Tu es un peu ma chouchoute. Je ne devrais pas dire ça. Je pense que c'est interdit par la loi de l'émission. Tu es un peu ma chouchoute, a-t-il affirmé en continuant de lui faire des éloges. La jeune femme a d'ailleurs été énormément touchée par sa déclaration et lui a ensuite demandé d'arrêter avant qu'elle ne pleure. Cependant, ce n'est pas le jury qui décide pendant les Cross Battles, mais le public. Mais heureusement pour les frères toulousains, c'est leur talent qui a été plébiscité avec plus de 74% des votes. À lire aussi ma prestation n'avait pas été diffusée, Max Novick, The Voice, avait déjà participé à l'émission.